monde. Alors, je teste une nouvelle manière et ça va pas le faire. Ah zut. Coucou tout le monde. Je teste une nouvelle manière de filmer dans ma chambre. On verra si ça se passe bien ou pas. Ce sera surprise. Hein. Parce que finalement, pour broder, je suis bien installée sur mon lit. Autrement, là, j'ai pas pensé, j'aurais pu filmer dans le salon. Tout simplement, je suis toute seule à cette heure-ci. Mais c'est pas grave. Alors, je vous retrouve pour le tirage de la case, deuxième case de notre défi 50 cases, donc que l'on fait avec Christelle. 50 cases en cours, donc je vous rappelle, il suffit de prendre une toile qui est déjà entamée. Vous pouvez encore nous rejoindre pour ce défi, il n'y a pas de problème. On a déjà fait une première case sur cette toile, donc on prend une toile déjà entamée. On la découpe en 40, en 50 cases, je ne sais plus compter. Pardon, mais le matin je tousse et puis c'est plein de tempêtes dehors, c'est top quoi. Ah ouais, si je tousse, vous fais bouger. Il faut que je fasse attention, pas trop, je vous secoue là, je suis désolée. On va voir comment ça se passe. Bon, donc vous découpez votre toile en 50 cases comme je l'ai faite avec celle-ci. Donc c'est le modèle que j'ai choisi. Mon petit découpage ici. On a déjà fait la case 34 qui se situe là, qu'il va falloir que je grise, mais évidemment... Je suis dans mon dodo, j'ai pas de crayon. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'avais noté la case 34, ouais. Maintenant, on va sortir l'artillerie lourde. Voilà. On a le droit à de la pub. Où est-ce qu'on la ferme, la pub? Voilà. On va prendre 50 cases en cours. C'est prêt, vous êtes parti. Pourquoi j'ai un nom qui traîne, j'ai oublié de l'enlever. qu'est-ce que je peux... Comment on fait déjà? Avec toutes ces pubs, c'est chiant. Tac, 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 éditer. Non, on va supprimer. N'importe quoi. 1, 2. Il manque la 3. Voilà, rajouter nom de l'article 3. Économiser. Voilà. Non, économiser. Voilà. On y va, on est reparti pour un tour. Ta-da-da-da-da-da-da. Et c'est la case de numéro 48 qui vient de sortir, les amis. Youhou! Super. Allez, c'est parti. Je vais faire une petite capture écran quand même. Voilà, c'est bon. Regarde un message, bon rien d'exceptionnel. Non, c'est bon. Allez, hop, eh, vous avez vu mes petits pandas? Petite pensée à toi, Christelle. Vas-y, des pandas partout. Ça, c'est ma tablette. On a le téléphone panda. Je vous parle pas des peluches panda. Alors, maintenant, on y va. Où se trouve... Ah bah tiens, la case 48, c'est une que j'ai renumérotée il y a peu, puisque je me suis aperçue que j'avais deux numéros 34. Donc ma toile se situe comme ceci. J'ai pas emmené mon petit guide. Je vais aller le chercher. Je reviens tout de suite. Vous allez comprendre. Voilà, je vous fasse pas trop bouger. Donc mon petit guide, c'est ceci. C'est un petit livret que je me suis fait en découpant le patron que j'avais au préalable en enfin, photocopié. Et on va retrouver notre case 48. Qui doit pas être très très loin. La voici, la voilà. Ah, c'est chouette. Regardez-moi ça. Pas beaucoup de confettis, on va s'éclater. Donc elle se trouve sur les points 210 à 250 et 90 120. Donc on va regarder ça. Zut. Ouf, c'est ma petite aiguille. Alors, je vais prendre ma petite tablette d'ordinateur de lit. Ça va juste être pour pouvoir avoir un support plat pour mettre mon petit tambour. Donc, on a dit... ...210-250... Et autour de 90,
Ça ressemble plutôt à ça, on est d'accord. On descend un peu. Voilà. Là, on devrait pas être trop trop mal. Ah. Non, bah non, je crois bien que j'étais trop loin. Ah non, je vous fais bouger. Ah, c'est ça. Hop là! De positionner. Alors, c'est un peu casse-pied à mettre comme tambour, mais alors ça tient bien. Donc, ma case va faire 1, 2, 3, 4 cases ici et 3 cases en hauteur. On se retrouve bien avec la même chose. Donc, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 1, 2, 3 et hop. Tac, petite case là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la lumière pour moi. Mettre un truc qui m'empêche de voir trop trop flou. Je me suis aperçue que en fonction de la lumière, cette toile pouvait être très compliquée. Donc, j'utilise aussi ma lampe frontale. Des fois avec les verres, des fois sans, ça dépend du sens du vent. On va voir, de toute façon un verre je vais mettre que les plus fins. Le grossissement à 1 parce qu'au-delà je sert à rien. Ça m'handicape plus qu'autre chose. Et on a dit qu'on allumait la lumière. Voilà, il faut que je me mette à peu près par là pour que vous voyez. Bon, on va être pas mal. Ouais, là avec la lumière c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que là on va faire les petits rouges. Donc idéalement, on va peut-être sortir les fils. Hein. Donc on a de très belles couleurs. Hein. Vous voyez. Hop. Et. Oh bon alors là. Voilà. Alors, je vous mets un peu, je me rapproche un peu de vous. Voilà. Pour vous, ça change pas grand-chose, mais pour moi, en termes de broderie, ça a changé tout. J'aurais peut-être dû vous mettre de l'autre côté. C'est pas grave, c'est fait. On va pas y revenir. Donc, je prends ça, je prends mon aiguille fine, puisque je me suis aperçue que les aiguilles fournies dans le kit sont des aiguilles qui sont trop grosses, qui ne me conviennent pas pour vos dessins. Après voilà, chacun ses choix, chacun ses goûts. Et alors je crois que pour ce type de démarrage pour aujourd'hui ça va être non. Donc on va faire le traditionnel démarrage, celui avec lequel j'ai appris, hop, que je vous ai déjà montré hein. C'est tout simple, on s'arrange pour que le fil soit bien emprisonné dans la boucle et ça y est, on est parti. Le seul inconvénient de ce tambour, c'est que ça se coince dedans. Alors, on verra si pour vous ça va filmer comme ça. Alors, le problème, c'est que ça bouge un peu. Vous allez avoir le tournis, ça m'embête. Faut que je vois comment vous attacher autrement. Je vais vous mettre en pause et puis on va faire les choses différemment parce que c'est pareil. Moi, ça me fait trop lever. Et puis, j'arrête pas de vous taper du temps et je vous fais bouger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous déplacer. Je vais vous mettre sur un autre support.
fort. Ah, je peux peut-être vous mettre à côté. Bougez pas. On va s'essayer à autre chose. Hop, bon, on se retrouve. La lutte infinie pour réussir à trouver une position potable. Pour vous comme pour moi. Voilà. C'est bon. On a repris l'ancien système, c'était plus simple. Que je range un peu tout ça. J'ai ouvert la fenêtre. Alors, donc, je vous filme en avance. Parce que je sais que ce week-end, je ne pourrai pas filmer. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, ceux qui ont déjà écouté mes vidéos, etc., etc., vous le savez. Pour les autres, bah, je vous le fais découvrir. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre. Jour de grosse tempête. Bon, on reviendra là-dessus après. Hein. C'est l'anniversaire de ma poupette de 5 ans. Demoiselle va avoir 5 ans. Enfin, a eu 5 ans déjà. Puisqu'il est 7h53. Et qu'elle est née à 1h06 du matin. Donc, elle a eu 5 ans. Déjà. Donc là, elle dort profondément. Mais du coup, dimanche, on reçoit du monde pour fêter son anniversaire. En conséquence de quoi, vous vous doutez bien que filmer, faire un montage, sachant que je dois trouver comment on insère des photos, tout ça dans mon montage, va être compliqué. On va pas se le cacher, les enfants. J'aurai pas le temps. Lundi matin, bah oui, tiens, je suis bien. Samedi matin, ça va être compliqué. Donc là, on va faire le petit trait oblique violet. J'en ai plein à faire en plus. Donc on va passer un petit moment dessus. Donc là, je prends de l'avance. Je commence cette case avec vous. Je vais brouter un petit peu. On va se faire comme d'habitude. Alors, je sais pas combien faisait la première partie de la vidéo. Je dirais pas plus de 5 minutes. Dans mon décompte là tout de suite maintenant je vais faire comme si. Ah tata, maman elle a fait des bêtises. Non. Alors là je suis bien. Regardez bien. J'ai des traits obliques. Ici. Dans ce sens-là. Et là, dans ce sens-là. Pas les mêmes. Pour éviter de se tromper, on aura l'air moins bête. Bon. Voilà. Donc, ça souffle dehors. J'ai fait un petit tour du jardin, donc on a eu des vents à plus de 95 km/h, des rafales à plus de 130, donc j'ai fait un petit tour, j'ai été regarder quand j'ai ouvert le portail à chérie pour qu'il puisse partir au travail. Écoutez, rien à signaler, tout va bien. Y a que ça qui compte, le jardin va bien. Cherche mon lit. Faut que je remette le son de ma tablette au cas où, parce que du coup, je sais pas ce que j'en ai fait. Elle est là. Je suis repassée sur mon pied fixe, hein, c'est plus simple. Le visage ne correspond pas. Bah oui, forcément, j'ai ma lampe frontale. M'a pas reconnu. Ne pas déranger, j'enlève. Je vais rajouter un petit peu de son. Et alors, je lui réponds. Parce que voilà, la ligne de train est interrompue. Probablement un truc sur les voies, mais ça on s'y attendait, puisque bah, grosse tempête, ils avaient prévenu, etc., etc. Voilà. Et du coup, il n'a pas de train pour y aller. Donc, et comme il n'a pas pensé à la tempête, il n'a pas emmené son ordinateur. Donc techniquement ça va être compliqué pour lui de faire du télétravail sans l'ordinateur du boulot.
Je vérifie juste. Ouais. Ça, c'est ma caisse du haut. Ça va jusqu'où je monte, mais non, on est bon. Allez. Donc, comme il n'a pas emmené son ordinateur, il peut pas faire de télétravail exceptionnel à cause de la tempête. Donc là, il y va, et puis dans le doute, il ramènera son ordinateur ce soir. Parce que, en gros, donc, il va jusqu'à la gare où il est censé prendre le train. De là, bah, comme il n'y a pas de train, il va prendre le bus pour aller dans une autre gare en région parisienne. Gare où il pourra reprendre soit un train en passant par Montparnasse pour arriver du côté de Bercy où il travaille, soit un RER. Ça va être galère pour lui. Mais bon, c'est comme ça, je vais vous dire, on n'a pas le choix, il fait avec et puis c'est tout. Donc, voilà. La nuit a été entrecoupée puisque j'entendais le vent et puis je suis jamais tranquille lorsqu'il y a des tempêtes comme ça. C'est toujours un peu. J'ai toujours peur qu'il y ait un problème dans le jardin. Quelque chose qui s'envole, tout ça. Et puis même, on n'est jamais tranquille quand il y a des grands vents. Pourtant, je devrais être habituée en bonne bretonne que je suis, mais je sais pas. Je sais que ça craint rien, qu'on a tout sécurisé, qu'on a tout fait comme il fallait. Donc il n'y a pas de problème. Bon, si j'ai pensé à des trucs à sécuriser davantage, donc je verrai ça pour la prochaine fois que je vais à Action, je vais prendre des tendeurs et tout ça, on va tout. Histoire d'être sûr de passer des nuits tranquilles cet hiver, puisque les tempêtes, on va en essuyer quelques-unes. Donc voilà. Mais. Ah, il est dans le bus. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Vous savez quoi, je reprends un plaisir infini à faire cette toile en 14 comptes. Parce que l'impression, elle est cata. Encore là sur cette case, ça va. Et avec une impression qui est parfois très compliquée. Enfin, en gros. Alors vous, à la caméra, vous devez sans doute mieux voir que moi. Mais sans les lunettes, si ça, je distingue, mais les petites croix, là, c'est compliqué. Et pourtant, j'ai pas de problème de vue. C'est le gros inconvénient de mes Yann, c'est qu'en termes de qualité d'impression, en 14CT, c'est pas toujours tip-top. Alors. Bon, le gros problème, c'est quand on porte des lunettes loupes et qu'on n'a pas l'habitude. On faisait ça. Je me fais mes petits points isolés. Bon, allez. Vous savez que c'est mon petit On n'a pas posté les lettres pour mon tachot d'amour. Mais ça, elle n'est pas levée. Le facteur ne passe que vers midi. Donc, j'ai le temps d'aller mettre son courrier dans la boîte aux lettres avant qu'elle se lève. Donc là, je mets un là et c'est tout. Mon fil et puis je reviens dans la discussion. Vous inquiétez pas. Parce que là, en fait, je coince le fil pour l'arrêter aussitôt. C'est le principe du point confetti. Allez. Bon, de toute façon, il est encore tôt, il n'est que 8 heures. Ah! Bon, pour le moment, elle n'est pas réveillée, mais d'ici une petite demi-heure, je ferai une pause dans la vidéo, puisqu'il va falloir que j'aille nourrir mon chaton d'amour. Et surtout, m'aviser que il boit du fituvinaigre. Parce que c'est surtout ça, c'est que ses couches,
Elles ont tendance à fuir. Faudrait que je teste avec. Voici, tiens, j'en ai du bleu comme ça en confetti un peu. Bon, je vais pas faire tous les confettis avec vous. Hein. Pas les confettis. Ouais, si, allez, vous les faites. Des fois, il y a 2-3 points. Je peux aller faire tout ça avec vous quand même. Après, on va se prendre un fil et puis on va avancer un peu quand même. Ah, donc je disais quoi? Ma belle-mère a testé les couches de Marc Inter quand elle s'est retrouvée. Bah, cet été, elle a voulu la prendre en vacances et d'un coup, elle m'envoie un message. Il n'y a plus de couches. Bah, tu vas en acheter quoi? Je vais pas me taper l'aller-retour 40 bornes pour t'apporter un paquet de couches. Faut pas déconner quand même. Donc, elle a été acheter des couches chez Intermarché. Et a priori, les couches Intermarché sont quand même pas si mal. Tiens, j'ai un petit rond orange là, bah sans les lunettes. Un coup, je regarde au travers des lunettes, un coup, je regarde pas au travers des lunettes. Non, mais sérieux? Sérieux? Je viens de voir un truc. Non, mais là, ils veulent ma mort. Donc, je clôt ce point, je vous explique ce que je viens de voir. Je me dis que heureusement que je regarde, que je me suis aperçue de la différence de teinte, parce que non, ils sont pas cool. Après, je vais mettre un aimant plus petit sur la toile, comme ça il passerait dans mon mini tambour. Hop. Donc, nous avons l'immense chance et bonheur d'avoir ici des traits obliques rouges, là les mêmes en rose, bon là rouge sur fond jaune ça se voit tout seul, mais franchement la différence est ténue. On va faire les roses parce que rouge j'en ai là et après je repars par là. Donc je vais faire les roses. Alors ça c'est les rouges. Ils sont censés être sur fond rose. Ouais, ils le sont probablement, hein, c'est juste qu'on le voit pas. Donc ils sont là. On va faire du vert, donc les amis. C'est parti. Un message de ma belle-sœur, j'arrive. Donc on est parti, on a dit qu'on faisait la partie rose là. On va coincer le fil. C'est parti pour faire tous ces petits points. Je suis. On est encore dans le champ. Que j'ai tendance à pas être dans le champ. Normal, tout va bien. Eh ben, ça y est. On est parti.
Vas-y, on est parti, j'ai fait déjà un petit bout, hein. J'ai fait quelques points déjà, mais des fois, enfin, je fais les points confetti, une fois qu'ils sont faits, une fois que je pars sur une grande zone, j'ai l'impression que ça y est, c'est bon, j'y vais. Bon, là, en l'occurrence, j'y suis déjà, hein, mais... Aujourd'hui, quoi de prévu? Donc, j'ai ça de prévu. Ensuite, j'ai une vengeance à assouvir auprès de mes princesses d'amour qui ont décidé de foutre le bazar jusqu'à 22h30 pour l'une, et l'autre était dans la chambre de sa petite sœur à 6h45, enfin de sa grande sœur plutôt. Miss 7 ans et Miss 10 ans n'ont pas froid aux yeux, on va dire. Donc, bah, tout à l'heure, vu que Faise n'était pas assez fatiguée pour faire dodo, on va les fatiguer un peu. Elles vont ranger toute la maison entre 9h30 et 10h, tout ramasser, etc. Et à 10h, elles passent aspirateur. Ah, mais on va rigoler parce que c'est pas comme chez mamie, hein. C'est beaucoup plus grand chez nous. Parce que chez mamie, elle s'amuse à passer l'aspirateur dans la cuisine. Mais là, elles vont pas faire la cuisine. Elles vont faire tout le rez-de-chaussée. Ça va les calmer un peu. Après, bah, je pense que j'en ai une qui fera les poussières. Ah ouais, non, mais elles ont voulu jouer. Je vais embaucher des petites Conchita. Parce que là, il y a un moment donné, ça va. Et sinon, au programme des activités loisirs créatifs, on a cette case-là sur laquelle je vais travailler un petit peu avec vous. Après, je la reprendrai que lundi, puisque techniquement, je suis pas censée la faire là. Mais bon, pour vous, vous aurez la vidéo dimanche et je n'y retoucherai pas par la suite avant la semaine prochaine, en sachant que dimanche, de toute façon, je vous l'ai dit, je ne vais probablement pas pouvoir broder du tout. J'ai un peu de TP à faire puisque hier on a attaqué les dessous de verre pour le Noël de chéri. Donc ça c'est cool, on va continuer ça. J'ai attaqué mon petit duo avec Myriam et je compte bien continuer tout à l'heure, cet après-midi. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo dessus. Pour la série. Il y a ma belle-sœur, donc rien n'a bougé. Mais bon. Oh, et puis si ça avait dû bouger, ça aurait déjà bougé. Là, c'est bon. Tout se tient bien. J'ai bien géré la mise en sécurité du jardin. Donc là, c'est ça. Hop. Je prends un peu cette case. Et le reste de la journée, ça va être ma... ma toile belle que je fais avec Mimi. Et je vous enverrai une photo, n'importe quoi. Je vous ferai une petite vidéo. Alors qui va pas paraître tout de suite, peut-être la semaine prochaine, puisque là je vais y travailler pendant 3 jours. Et puis après, je vais la mettre de côté un peu pour reprendre mes autres en cours. Donc, sachant que oui, derrière, il y a celle-ci qui revient. J'essaie de me faire un petit roulement.
J'ai fait une blague à chérie, j'ai mis une lessive à faire pour les filles. J'ai dit, ah bah c'est cool, il y a du vent, ça va sécher vite dehors. Il m'a regardé, la mère de dire, mais elle est sérieuse ou pas? Ben non, il pleut en même temps que le vent. Il pleut pas fort. Mais suffisamment pour mouiller du linge, et puis clairement, faudrait du cidre pour étendre du linge en pleine tempête, hein. Après, c'est pas mon linge, je m'en fiche, c'est l'hormone des culottes, hein. Ouais, mais d'un autre côté, c'est moi qui les paye les culottes, donc non, on s'en fiche pas tant que ça. Donc, j'attendrai la lessive. Bah, pas avant 10 h, faut attendre qu'elle soit levée. Mais du coup, qu'est-ce que je relance une deuxième lessive à la filée, peut-être? Bonne question. Oui, alors là, vous allez me voir naviguer un peu à faire des demi-croix n'importe où. Technique de truande. Chacun sa technique. Et là, je vais faire ma longue ligne, après je vais remonter. Là, c'est l'avantage, c'est que ça va être très... Comment dire? On va alterner les points, les couleurs. Peut-être pas mal. Je sais pas si vous l'entendez, vous, le vent. J'ai ouvert juste la fenêtre de ma chambre pour voir le jour se lever. Donc là, ça commence à s'éclaircir. J'ouvre pas encore les autres volets parce que je voudrais éviter, enfin protéger un maximum du vent. Si jamais il y a quelque chose qui vole, autant que ça tape dans le volet plutôt que dans la fenêtre. On n'est pas à l'abri de branches, de choses comme ça. Hein. Pour le moment, tout va bien. Je suis montée à l'étage du coup pour aller rappeler à quelqu'un. Que 6 h 45 n'est pas une heure pour aller faire le bazar dans la chambre de sa grande soeur. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, je sais qu'il n'y a pas eu de soucis à l'étage. Je n'en doutais pas parce que de toute façon, sinon j'aurais forcément entendu dans la nuit, mais on ne sait jamais. La tempête sera calmée, je jetterai un coup d'œil rapide au toit. Bon, quand je suis sortie tout à l'heure, on était encore en pleine nuit, je pouvais pas regarder le toit, ça servait à rien. Après, ce sera un coup d'œil d'en bas, hein. Je ne monte pas sur le toit. Mais regardez s'il n'y a pas eu un déplacement de tuiles ou quoi que ce soit, histoire d'intervenir tout de suite. Je sais qu'il y a un village pas loin de chez nous qui est coupé d'électricité. Nous, ben, on a beaucoup de chance. On n'a pas ce souci-là. Et tant mieux. Parce que bon, après, on peut manger, hein, c'est pas un souci. Mais bébé va peut-être pas beaucoup apprécier son biberon froid. Parce que bon, son Altesse a des exigences quand même. Hein. Ah, le boîtier, ça va, le bois pas non plus super chaud. Puis d'ici cet été, il n'y aura plus de biberon, elle me boira à la tasse. C'est là que je vais me dire que elle est grande. Mais pour le moment, je profite d'une petite fille, toute petite, petite. Après, je sais bien, faut les laisser grandir et. Au contraire, moi j'encourage beaucoup l'autonomie à la maison, mais j'ai l'impression qu'elle restera bébé toute sa vie. Oh, elle restera le bébé à maman toute sa vie, ça je me fais pas de soucis là-dessus. Jour 24 minutes, je me dis mince, ça va être l'heure. Non, il est que 8 h 16, c'est bon.
J'ai encore un petit quart d'heure. Après, je vous laisserai. Je reviendrai après le biberon. Depuis l'offre de mardi où j'ai acheté mes cotons pour 8,47 € les 445, ou lundi, j'ai pas eu d'offre sur Temu. Enfin si, j'ai eu à nouveau la même offre, mais à 16 € et quelques. Bon non. Je viens de les acheter à 8 €, je vais pas les acheter à 16 quand même, faut pas exagérer. Je les aurais eu à nouveau à 8 €, je les rachetais. Hein. On ne sait jamais. Hein. Non, j'attends qu'ils me refassent l'offre pour les lunettes. Une deuxième paire pour les tâches, ça me ferait pas de mal. Je serais bien contente. Comme ça, je laisse les autres là-haut pour faire ma propre en 18T. Et puis une paire en bas. Mais du coup, je me dis qu'il faudrait que je reteste ma broderie Ariel, le grand tableau que j'ai fait faire pour Lilouane, pour la... voir si avec les lampes, la lampe frontale, là, ça serait pas mieux. L'idée, c'est d'être le mieux possible pour broder, de toute façon. Mais comme il y a des soucis d'impression, qui s'amuse à mettre des symboles assez similaires et qui s'amuse à les mettre en plus côte à côte. Il y a des fois il y a des croix bleues, des croix vertes. Donc là, on les distingue bien, mais en fonction de l'impression, on les distingue pas forcément. C'est pas forcément foufou. Hein. Donc. Et puis il y a des toiles où ça fait plus brouillon au niveau impression. Celle-ci, ça va. L'impression, elle est claire, elle est bien. Et celle que j'ai d'Ariel en perso, elle est moins bien. Je vous ferai une vidéo. Alors j'en avais fait une pour le début de la toile. Et en fait, je crois que je ne l'ai jamais publiée. Et comme elle commence à dater. Non, ça vaut vraiment le coup que je la publie, c'est plus du tout d'actualité. Elle doit dater du mois de mars-avril, un truc comme ça, à peine. On ne pouvait pas encore s'installer dehors. Donc, je pense que on va dire bye bye la vidéo, et puis je vous en ferai une. Pour vous parler de cette toile. Qui est absolument magnifique. Qui est juste immense. Donc, on va voir ça. J'essaie de trouver du temps pour la faire. Pour la reprendre parce que faire celle-ci me donne envie de la faire. Parce que c'est le même vendeur et parce que j'ai trouvé une technique pour la faire en étant bien. Ah oui, Dieu. C'est original un grand pan comme ça, non? Voilà. Ça, cette couleur-là, c'est fait. Ben, mine de rien, elle avance, ouais, non? Pas trop trop vite non plus, faut pas exagérer, mais... Cette case est beaucoup moins confetti que l'autre que j'avais. Donc ça va le faire. Donc là on a fait ça et je vais faire les petites croix bleues parce que j'ai vu qu'on en avait quelques-unes. J'ai trouvé, vous me venez le du coup. Mais c'est pas possible. Pourquoi je dis ça tout le temps? Et du coup. J'ai trouvé. C'est Lilouane. Chaque fois qu'elle vient voir. Et du coup, maman. Et du coup, ceci. Et du coup, cela. Mais d'accord.
Ça vient d'elle. Là, comme elle est rentrée de vacances, je suis pas sevrage. Non, j'hésitais à savoir si c'était un bleu plein ou pas. Ah oui, alors désolé pour mes ongles, ils ont tous. Ils ont cassé. Donc c'est Lilouane qui dit du coup tout le temps. Ça m'a sauté à l'oreille, j'allais dire aux yeux, mais non, plutôt à l'oreille. Hier. Ah, mais je comprends mieux. C'est toi la vilaine pas belle. Faut toi un truc à moi, je suis dit. Oh, je vais bien trouver de la dinde, un truc comme ça dans le. Enfin, peu importe. Faire au cookéo et je vais voir qu'est-ce que je fais avec. C'est une bonne question. C'est une excellente question. Je sais pas ce que je vais faire à manger encore. Faut que j'aille voir ce que j'ai dans le congé. Autrement, je ferais bien du riz. Mais ce qui m'embête, c'est la viande. Faut que je trouve ce que j'ai dans le congé, la faire avec. Autrement, je sais pas si j'ai assez de poisson pour nous cinq. Pardon. Oh la vache, les rafales. Jeter un coup d'œil dans le jardin. Et non, tout va bien. No stress, ça tient la route. Elle va être super belle cette toile. Alors je sais pas ce que c'est ça. Ah, peut-être une fleur, je sais pas. Pour aller regarder. Un morceau de Yoshi. Ouais. Alors, je vous montre, on doit être quelque part par là. On doit être par là. Donc, notamment la bouche de Yoshi. Oui, c'est ça. Là, on a sa bouche. Et là, on a son gros nez. Hé. J'ai. C'est pour ça qu'on est sur du verre. Alors ça, c'est pas une toile que j'ai faite perso, hein. C'est une toile que j'ai achetée directement sur le site de Mayenne, déjà quittée, déjà toute faite. Hein. J'espère qu'elle sera belle. Il y a des couleurs, je suis un peu perplexe, notamment sur le combass. Il me paraît un peu vert. À voir, on verra quand il sera fini. Là, j'ai que ce petit bout là de fait. Après, il est mignon, hein? Ah, la caméra, non, on voit moins le vert ici. Voilà, de toute façon, on verra bien de loin. C'est ce que je dis. Déjà, de 1, il n'est pas fini. La toile non plus. Dans l'ensemble, ça se trouve, ça passera crème. Donc, on va attendre de voir. Que ça va donner. Ah, je suis contente, je fais un petit bouillie aussi. Ah, mais on va être beaucoup dans le bleu après, en fait. Là, je suis en train de faire tout le vert et après, ça va être bleu, bleu, bleu. Bon, ça change, la dernière fois, c'était vert, vert, vert. Ah, il y avait un peu de marron. Ouais, il y a plus de bleu que de vert de toute façon sur la toile. Ce que je regardais, c'est qu'il y a plus grand de ciel, hein, forcément. Mais celle-ci, j'avais prise pour chérie. Puis en effet, faire une en perso que je vais lui offrir à Noël. Bon, elle sera pas commencée, hein.
Juste pour lui dire, t'as vu, j'ai pensé à toi. Ça va te faire marrer. Et une de Mario aussi, mais d'un artiste. Alors je me rappelle plus son nom. Je l'ai trouvé sur. Tomber, bah ça tombera pas plus bas. Hein. J'ai trouvé la photo sur Pinterest. J'ai trouvé vraiment sympa. Donc je vais la faire. Je lui ai fait faire un perso et puis je vais lui broder. Quand? C'est une bonne question parce que j'ai acheté une. Enfin, j'en ai pris trois sur ce coup-là. Il y en a deux, il le sait. Ah, oh, c'est la pluie là qui s'y met. Je sais quoi qui tape sur ma fenêtre? La pluie. Oh non, attends, là, les yeux dehors. C'est pas une bonne Non, trêve de plaisanterie. J'espère que pour vous, tout ira bien, qu'il n'y aura pas de dégâts, etc. Parce que le vent, c'est pas cool. Vraiment. Moi, je suis rassurée. Il n'y a rien eu dans le jardin. Tout va bien. La maison va bien. Enfin, on n'a eu aucun problème, ni sur les voitures, ni nulle part. Mais c'est vrai que j'espère que ce sera le cas pour vous aussi, qu'il n'y aura pas de dégâts à déplorer. Que quand je vois que chérie a déjà des petits soucis de train, je me dis que bon. Après, ils avaient prévu, hein. Il y a quand même eu des arbres tombés, l'électricité coupée pas loin de chez nous. Enfin voilà, donc le département n'a pas été épargné. Je souhaite juste que pour vous, tout aille bien et qu'il n'y ait pas de soucis. C'est quand même pas drôle. Voilà. Clairement. On en aura d'autres, hein. Il y en aura bien d'autres des tempêtes. Mais ça, c'est quoi comme couleur? Parce que j'en ai dans le nuage là. Un bleu. Ah non, c'est une sorte de blanc. Ah bah oui, le bas du visage de Yoshi, il est blanc, je bête. Non, je ne suis pas bête. Vache. Et je vais avoir du mal à lâcher ma toile. Mais j'aurai pas le choix, hein. Après, je vais attendre les filles. Elle est trop plaisante à faire cette toile. Je l'adore maintenant. Déjà de base, j'avais fait un petit ciel chez ma belle-mère, mais sans plus. Mais j'arrivais pas à trouver le temps de la faire cette toile. C'est pas qu'elle me démotivait, c'est que je trouvais pas le temps de la faire. Et en vrai, je l'adore. En vrai, je me suis éclatée sur l'autre case. Et là, c'est parti pour être la même. C'est que du bonheur. Moi, je suis en adoration. Non, peut-être pas jusque-là, mais. Ah, pas loin. Un vrai bonheur à broder. Donc, c'est pour ça, il faut. Il faut vraiment que je ressorte Ariel. Je pense que je vais la ressortir tout à l'heure. Je vais broder dessus en début d'après-midi. Et après, je vous retrouverai. Voilà, je vous fais la vidéo Myriam avant. Non, vidéo duo avec Myriam. Hein. Je vais pas vous filmer Myriam, la pauvre. Je suis en train de chercher quelle couleur je vais faire maintenant. On comble. J'adore, j'adore. Alors, j'ai entendu ma tablette bouger, voir si c'est chéri. J'ai dit de me tenir au courant surtout parce que là. Je suis pas de nature à somatiser, à m'inquiéter, etc. Mais par moments, si. Ah, et puis c'est l'heure du biberon. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vous mets en pause et puis je vous retrouve après. Allez, nous revoilà. Moi, je suis pas partie bien longtemps. Hein. Le temps de donner le biberon à Namo, d'aller poster le courrier de Naïloen dans la boîte aux lettres. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité pour aller voir parce que le couvercle du
Récupérateur d'eau s'était envolé, mais il s'est pas envolé bien loin. La brique était dessus, a pas. Enfin, le pavé qui était dessus a pas tenu assez longtemps, enfin assez fort, mais ça c'est tout le temps pareil, il arrête pas de tomber. On va se faire les deux, les petits points et par ça. Ça me plaît bien. Allez, on y va. Il est juste tombé à côté. Et là où il est bien calé, il bouge pas. Donc je laisse. Ma belle-sœur me disait que elle, ils sont pas encore passé le plus gros de la tempête. Donc nous, ils nous annoncent encore des vents de 85 à 90 km/h jusqu'en début d'après-midi. Après, on va baisser progressivement à 70, puis pour arriver à 50 km/h vers 20 h. Donc, bon, ça fait des sacrées rafales, hein, parce que enfin, j'ai fait quoi, 5 mètres pour aller à la boîte aux lettres. Et ça souffle, hein, quand même, ça souffle, c'est dangereux. Donc, je suis bien contente d'être au chaud, de ne pas avoir à prendre la voiture. J'aurais bien voulu aller à Action de C4, mais. Ah, si j'arrive à avoir un rendez-vous chez le coiffeur. À le faire. J'ai pas une news de personne. Allez, on découvre ensemble l'offre exclusive. À combien ils vont me les faire? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ça c'est pas mal. 7,24 €. Ça me plaît bien. Donc si je prends elle, j'enlève plein de trucs. Hein. Cette euro 24, c'est intéressant, surtout qu'elles ont l'air assez légères. Bon, j'ai pas trop le choix en couleur, mais elles ont l'air pas mal celles-là. Une place bain. Parce que celles que j'ai là, elles sont lourdes. Et voilà, combien de temps mon offre? Que je me fasse pas avoir. Se termine dans 23 h 58. Bon, je regarde tout à l'heure. Vous voyez, il suffisait d'attendre et puis ils me la refont mon offre. Bon, c'est pas la même que la dernière fois, c'est pas sur les mêmes lunettes. Je vais faire une bêtise, il faut que j'enlève mon fil. C'était les petites croix rouges que je faisais. Ah, ben c'est plutôt cool ça. Je vais aller voir ce qu'ils me font comme offre sur les dessous de verre, puisque c'est ma grande passion en ce moment. Donc ça, je vais voir tranquillou après. Je reste d'abord avec vous pour la vidéo. Parce que j'étais mu plus vert. Savoir que vous avez des produits qui sont pas chers, mais le minimum de commande, c'est de 10 euros. Après, vous n'avez pas de frais de port. Hein. Donc là, j'en ai pour 7 euros et quelques. Bah, faut que je rajoute un petit peu pour arriver à 10 euros. Chose que je vais faire pour pouvoir commander mes petites lunettes à 7 euros et quelques parce que ça vaut franchement le coup. Je regrette d'être passée à l'offre, à côté de l'offre où je les avais à 4 euros. Hein, je regrette franchement. Mais bon. Tant pis pour moi. C'est de ma faute. J'ai pas été vigilante. J'ai hésité. Bah, on verra ça. Déjà, même 7 euros, c'est hyper avantageux comme tarif. Ça, c'est quoi que je fais? Les petites croix vertes. Bon, après, je vais couper mon fil parce que je reviens par là. Ça fait loin.
Je vais avoir ma deuxième paire, trop contente. Non, c'est que je sais pas, j'aime me faire du mal, ça doit être ça. Ma citrouille en 16 c'était, 18 c'était, pas 16. Bah, je trouve que c'est sympa de la faire le soir pendant que les filles sont à la douche, au bain et tout ça. Parce que je suis avec elle à l'étage, je surveille hein, évidemment. Mais bah, j'en profite, je brode un petit peu ou je tablette, mais je préfère broder. Forcément. Hein. Et puis surtout, j'essaye de limiter les écrans. Qu'on a vite tendance à être beaucoup sur l'écran et c'est du temps perdu. Clairement, maman, je le dis, c'est du temps perdu. Alors, je sais pas combien j'en suis de vidéos parce qu'au lieu de mettre pause comme une grosse nouille, bah, j'ai arrêté la vidéo. Donc je sais pas quelle taille elle fait. Je vais me contenter d'un petit quart d'heure là avec vous. Parce que ça va faire beaucoup après. Moi non, hein. Moi je peux rester des heures. Ouais, la fille elle est capable de parler des heures toute seule. Tout va bien. Je me sens parfaitement équilibrée, je vois pas ce qui vous pose problème, hein. Non mais. Après, au bout d'un moment, je vais vous saouler. Pardon. Qu'est-ce qu'on se fait? Allez. Je dis un truc dans ma tête et puis je vais faire le contraire. Je vais faire, j'ai un petit point tout seul. On va faire ce petit point tout seul. Un petit rond orange. Parce qu'après, c'est soit je fais les petits points éparpillés, soit je vais directement taper dans les gros points. Mais là, je vais pas pouvoir m'arrêter si je fais ça. Je vais être obligée de finir ma zone, tout ça. Bah après, en un quart d'heure, c'est faisable. Je me connais. Mais là, en gros, il nous reste le petit rond là que je suis en train de faire. On va avoir deux traits là. Les deux machins là. Et j'ai un petit machin comme ça ici. Et ensuite, on a terminé avec tous les points confettis. Oh zut! Tout va bien. Donc, bah voilà, je vais faire mes points confettis. Comme ça. J'aurai que des belles zones à faire. Cette case-là ira vite. Enfin, vite. Je rappelle que j'ai quand même des cases de 12 sur 12, hein. Pas de 12 sur 12, non. J'ai hâte de voir, moi. Non, des cases de 12 carrés. Pas des cases de 1200 croix. Hein. Ça reste un petit peu du travail à broder. Mais, une fois les petits points confettis éliminés, franchement, il reste plus rien. Alors, ça. C'est lui. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai un accident. Qu'est-ce que j'ai dit que j'avais? Alors, j'aimerais bien faire mon petit point tout seul. Il est où? C'est le 33. 30. Ah oui. Alors ça c'est 11 à 20. Un 10, il est là. Cherche mon aiguille. Alors c'est très compliqué de jongler avec et sans la loupe.
C'est ma jolie, c'est compliqué. Donc on a dit qu'il était là. Qu'il faut le temps que la vue se réadapte d'un côté à l'autre. C'est top. Surtout que je ne porte pas de lunettes, vous le savez. Enfin, je vous l'ai déjà dit. J'ai très bonne vue. J'ai pas besoin de lunettes. L'ophtalmo en était surpris. Aucune baisse, rien du tout. Oui, donc en fait le rendez-vous servait à rien. Je suis. Psychologiquement, c'est important de savoir que tout va bien. C'est tout bête, mais ça fait du bien. Donc, tac. Rester dans le bon sens. Tout ça, pour le moment, j'ai pas besoin. Je cherche mon trait oblique vert. Il est là. De toute façon, j'ai pas de trait oblique vert tout seul. Si j'ai. Non, ça va être l'autre. Pratique. Bah si. C'est celui qui est dans le jeu. C'est à ça que ça sert. D'avoir le patron. Et alors, avoir le patron découpé comme ça, c'est bien pratique quand on fait par case parce que vous savez exactement quelle case c'est. Puis ces patrons-là, franchement, alors ils sont petits, mais ils sont bien. Ils sont bien imprimés, ils sont super. Là, j'ai un problème sur le sel avec, que je fais avec Myriam, je vous en parlerai. Dans la vidéo que je tournerai cet après-midi, vous verrez, vous allez vite comprendre. Enfin, j'ai un problème. Oui, c'est un problème. Myriam a le même problème. Pourquoi je veux broder par l'envers? J'ai vu quelqu'un qui faisait ça, qui brodait par l'envers. C'est une question de choix. Je ne critique pas. Chacun ses choix, mais c'est original. Moi, je préfère avoir mes petites crosses formées comme il faut. Puis alors, par l'envers, je suis capable de faire n'importe quoi. Je pense que c'est surtout une question d'habitude. Et maintenant, il nous reste les deux triangles à faire. Les deux triangles bleu foncé. Tac. Je vous ai tapé dedans, je suis désolée. Donc, on a fait ça et il nous faut les deux triangles, enfin les deux triangles. Le triangle bleu foncé. L'avantage, c'est qu'il est facilement repérable. Et maintenant, tac. Et dire maintenant, on va attaquer le bleu. Bah non. On a encore du vert à faire. Mais ça va me changer un peu de couleur de faire plein de bleu à la place de faire plein de vert. Sur ma sirène. Enfin, disons que j'ai pas rattrapé mon retard. J'ai une case de plus en retard. Bon, je devrais pouvoir rattraper cette case-là déjà d'ici ce soir. Mais ça, j'ai pas beaucoup brodé ces derniers temps sur ma sirène. Mais l'objectif, c'est pas que j'arrive avec cette case de retard quand même. Une semaine, ça commence à faire beaucoup. Oh, elle va avancer. Je me fais pas de soucis. Ah, j'ai mal piqué. Là, je l'ai piqué au milieu de la croix et pas dans le trou. Voilà. Hop là! 15 minutes 13. Bon, ben on est censé s'arrêter là. Hein. Parce qu'après, ça risque de faire long. Ce que je vais faire, c'est je vais installer le fil avec vous.
Et puis ensuite, je vous abandonne. Parce que, bah voilà, hein, l'heure tourne. Vous avez des choses à faire aussi. Alors, c'est très étrange. Je viens de lever les yeux dehors. C'est bien ce qui me semblait tout à l'heure. Il y a un vent de fou. Ça pleut à moitié. Et d'un autre côté, il fait un temps magnifique. On a un ciel bleu dégagé. Un énorme soleil. Enfin, c'est bizarre. Alors, si le temps est lumineux, tant mieux. Pour brouter, ce sera toujours mieux. Mais je m'attendais à de la grisaille toute la journée. Alors, hier matin, il faisait super gris. Et hier après-midi, j'ai eu du soleil pour broder. Donc, j'étais contente. Et là, c'est un temps très étrange. Bon, sur ce, on a bien remarqué que j'avais du mal à lâcher la toile. Donc, je vais l'abandonner. Je vais aller faire un peu de DP. Et je vous retrouverai sur une autre toile cet après-midi. On a plein de choses à se dire sur cette toile parce que vous allez voir, elle est sympa. Et bah, je vous fais de gros bisous. J'ai hâte de vous voir pour vous toutes les filles qui participent au défi. J'ai hâte de voir vos cases. J'ai hâte de voir vos broderies se faire. C'est toujours un plaisir. Et je vous remercie encore, ainsi que Christelle, pour ce défi qui nous plaît énormément à toutes. Vous voyez, j'ai fait une petite avancée pour 1 heure. Maintenant, je retrouverai avec grand plaisir cette toile. J'ai hâte. J'ai très très hâte de la retrouver. Et mais pour moi, ce sera lundi. Enfin, lundi, l'avantage, c'est que je serai toute seule. Je n'aurai pas d'enfant à la maison. Je serai en mode tranquille. Elle retourne à l'école. Moi, j'ai pas encore d'affectation. Plaisir absolu. Allez, je dis ça et en fait, aujourd'hui ou demain, ils vont m'appeler, ils vont me dire, vous venez travailler? Allez, je range tout ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!